Chers pèlerins, bonjour à tous. Bienvenue ici à la grotte de Massabiel. Aujourd'hui, dimanche de la Divine Miséricorde, nous chantons tous ensemble « Il a pour nom Miséricorde ». Il a pour nom Miséricorde. Toi le bas à la brise du soir, c'est le Seigneur, il te cherche. Il a pour nom miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié, Dieu qui se donne et qui pardonne, car son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous les bienvenus, chers pèlerins qui venez aujourd'hui. Nous sommes en communion avec tous ceux qui nous regardent de leur chambre de malade ou de leur chambre d'hôpital. Soyons heureux aujourd'hui de célébrer la miséricorde incroyable du Seigneur pour chacun d'entre nous. Au jour de Pâques, nous avons renouvelé les promesses de notre baptême et en signe de ce renouvellement, de cette adhésion au Christ, nous allons encore vous bénir avec l'eau de notre baptême. Demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu le vivre et jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, alléluia. Tous ceux qui lavent cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, alléluia. Le Fils de Dieu rassemble et chante leur joie. D'autres sauvés. Alléluia, 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 alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, 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 alléluia. Chantons la gloire du Seigneur.
chère aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloria, gloria in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria. De Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel de miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que nous, que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Des actes des apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul corps, un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'était avec une grande puissance que les apôtres rendait témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient. Et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on les distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Israël, éternel est son amour.
bénisse la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur s'élève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais ça m'est livré à la mort. Il rend grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête, de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son lecture de la lettre, de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui est donc vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans savoir vu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, c'était après la mort de Jésus, le soir venu. En ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Thomas, où étais-tu? On a vu le Seigneur. Arrêtez de raconter des histoires. Vous inventez ces choses-là pour vous rassurer. Mais si, nous l'avons vu. Il nous a montré la trace des clous et son côté ouvert. On a bien vu que c'était lui, le mort, qui était sur la croix. Et ce n'était pas un fantôme. Non, je n'y crois pas. Vous êtes devenu fou, fou de tristesse. Il est mort, un point c'est tout. L'histoire de Jésus est terminée. Frères et sœurs chrétiens, le doute de Thomas est tellement normal. Si l'on vous disait qu'un de vos amis qui était malade, finalement n'est pas mort et qu'il est vivant, vous le croiriez. Mais si l'on vous disait que quelqu'un qu'on a vu mort sur une croix, qu'il est vivant, qu'on l'a déposé dans un tombeau, et qu'on l'on vous dise il n'est pas mort, vous penseriez que le chagrin de ces personnes-là leur ont fait perdre la tête. Il est ressuscité, c'est facile de dire cela, mais qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs chrétiens, ce n'est pas si simple. Thomas, lui, avait tourné la page, comme les deux disciples d'Emmaüs qui s'en allaient par des chemins de traverse. Ils sont retournés chez eux, la mine défaite. La pierre avait été roulée, le tombeau était fermé. Oui, l'histoire de Jésus était terminée. Elle s'arrêtait comme une blessure, une rupture. Elle laissait un grand vide dans le cœur. Et chacun était retourné
à son existence ordinaire. Pierre s'en était allé pêcher avec quelques disciples et Thomas vaquait à ses occupations. Il n'était pas là lors de l'apparition de Jésus le premier soir. Et ceux qui se retrouvaient ensemble au Cénacle, ils avaient verrouillé les portes par peur de se faire arrêter eux aussi. Et lorsque ce soir-là, Jésus entra, alors que les portes étaient bien fermées, les apôtres firent une expérience indescriptible. Après des hésitations, leur stupéfaction, leur entêtement à ne pas croire le dire des femmes qui étaient allées au tombeau et qui disaient l'avoir vu, les apôtres le voient. Ils l'entendent demander un peu de nourriture. Et en même temps, il apparaissait de manière toute nouvelle, sous un aspect différent, expérience unique qui dépassait la raison. Jésus semblait ne plus appartenir à notre monde, et pourtant c'était bien lui qui était là. Toute l'aventure de Thomas, qui n'était pas là ce soir-là, sera de passer de son désir de le voir, de le toucher pour croire, de répondre à l'invitation de Jésus. Thomas cesse d'être incrédule, mais croyant. Ce chemin, ce passage du voir au croire, c'est le chemin qu'il nous faut parcourir nous aussi. Cette Pâque, ce passage que Thomas réalise en ne touchant pas le corps de Jésus, ce que les évangélistes ne rapportent pas qu'il ait fait. Et il passe à cette exclamation soudaine, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Ce passage défiait toute raison. Ce que les apôtres avaient vécu avec Jésus, tout ce qu'ils avaient découvert de lui au jour le jour pendant les 3 années passées à la suite de Jésus, tout cela avait été bousculé par les événements. Ils s'étaient tous enfuis. Personne n'a raconté ce qu'ils firent ce jour-là. Un seul était resté au pied de la croix, le plus jeune, Jean. Il n'avait rien pu faire, sinon témoigner que son ami, le maître, était mort. Un soldat lui avait transpercé le cœur, le siège de l'amour, comme pour lui dire « C'en est fini de ta manière d'aimer ». Et combien son témoignage sur la mort de Jésus était capital. Sans la certitude de la mort de Jésus, la résurrection n'aurait aucune vérité. Mais tout de même, avant cela, les apôtres, déçus, tristes, pleins de désillusions, ne vivaient plus que du souvenir du bonheur qu'ils avaient eu de vivre avec Jésus, et leur souvenir allait s'estomper. Alors Jésus, ce soir-là, reprend l'initiative. Il se tient au milieu d'eux. Il vint à leur rencontre. « La paix soit avec vous », plusieurs fois répété. « La paix soit avec vous ». Frères et sœurs chrétiens, les récits de résurrection sont des récits de miséricorde qui manifestent la tendresse du Seigneur pour les disciples qu'il rejoint dans leur situation de peur, de désespérance, de déception. Jésus vient à leur rencontre. Il avait promis au Père de n'en perdre aucun, même Thomas qui était absent ce premier soir. Et Jésus revient 8 jours plus tard, spécialement pour lui, pour Thomas, spécialement pour nous. Pour nous ? Eh oui, pour nous. Vous le savez, Thomas était surnommé Didyme, ce qui signifie jumeau. Ah, nous sommes bien ces jumeaux, nous qui lui ressemblons tellement par nos hésitations. Tant d'entre nous sont dans le doute, réticents à croire que la résurrection de Jésus est vraie. Et tant d'autres ricanent et nous prennent pour des fous. Et l'Évangile nous invite à croire à l'inattendu, à croire l'improbable nouvelle. Comme Thomas,
Nous aurions sans doute aimé une fin plus glorieuse de Jésus, un triomphe éclatant avec panache. Alors là, nous aurions tous cru, évidemment, de façon facile. Et puis, il aurait lutté contre toutes les forces du mal. Et la résurrection n'avait rien été de tout cela. Elle s'est traduite par une vie donnée aux autres, dans le sacrifice de soi, jusqu'à l'extrême. Le drame de l'ami disparu, le drame de la mise à mort du Fils de Dieu, semble n'avoir rien changé dans l'histoire du monde. D'autres drames se perpétuent, vous le voyez bien, frères et sœurs, aujourd'hui. Pourtant, le Seigneur a réveillé au fond du cœur de Thomas, comme au fond du cœur de chacun d'entre nous, une espérance en attente, une espérance endormie, une certitude, un désir qu'il vient réveiller, que Dieu seul peut faire advenir dans la réalité, le dépassement de la mort. Non pas l'intelligence artificielle, non pas des prothèses qui nous maintiendraient en vie pendant je ne sais combien d'années, mais le passage à travers la mort, une mort offerte si possible pour le bonheur des autres. Frères et sœurs chrétiens, c'est une chance que l'unanimité de la foi en la résurrection ne fut pas immédiate au soir du troisième jour après la mort de Jésus. Et c'est le grand courage de l'Évangile de l'avoir mise en lumière, cette hésitation, à travers Thomas. Il est le 11e apôtre touché par la révélation fantastique de la résurrection de Jésus, l'apôtre de la 11e heure. Quel bonheur que l'aventure de Thomas nous soit racontée. Nous nous découvrons moins seuls dans notre lenteur à croire. Elle est un signe lumineux de la miséricorde du Seigneur qui nous offre Thomas comme compagnon. L'Évangile nous offre une nouvelle béatitude. Nous la recevons tous ici à la grotte de Massabielle avec tous ceux qui nous regardent dans les ondes. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. C'est bien chacun d'entre nous. C'est bien cette béatitude que nous partageons. Vivons-la avec autant d'humour que les sculptures, que les sculpteurs de nos cathédrales. Vous savez, ceux qui ont su représenter certains personnages, ces gargouilles que nous voyons avec des oreilles trois fois plus grandes que leur visage, tant elles sont surprises par ce qui monte de la voûte de ces cathédrales et qui chante en permanence quelque chose que personne ne veut croire, Jésus est ressuscité. Nous sommes fous de croire cela, mais notre folie est gravée dans la pierre de nos cathédrales. Qu'elle se grave aujourd'hui dans nos cœurs comme une ultime promesse de Jésus. La mort n'est pas la fin de la vie. Telle est la lumière de Pâques. Elle met sans dessus dessous des tonnes de tristesse et de peur. Même si la joie qui nous habite ne nous évitera pas la poussière des chemins, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la paix, ni les faux frères que nous serons encore invités à aimer. Le bonheur de Pâques nous rappelle cette parole bouleversante qu'aucune pensée humaine n'aurait pu imaginer et que Jésus murmure en partant. Je ne t'ai pas créé pour te perdre. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Nous chantons, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Thank you.
Affirmons tous ensemble notre foi en la résurrection. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Prions pour l'Église. Au cœur d'un monde traversé par l'incertitude et les doutes, qu'elle témoigne sans relâche de l'infinie miséricorde divine. La victoire remportée sur le monde, dit Saint Jean, c'est notre foi. Prions pour les populations opprimées et victimes des violents. Que la foi soit déjà leur victoire et que leur espérance ne soit pas déçue. Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Prions pour tous ceux qui portent sur eux les marques de la souffrance. Que la présence des plus fragiles soit signe de la vraie force, celle qui se déploie dans la faiblesse. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Prions pour le frère Dénisson, capucin de la communauté des Chapelains de Lourdes, qui vient d'être ordonné prêtre en Inde ce samedi. Que son ministère rayonne de la miséricorde dont il devient le ministre. Prions pour le frère Louis Sancy de la communauté des Franciscains conventuels de Lourdes, décédé cette semaine. Qu'il entre dans la joie de celui qui l'a fidèlement servi. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Père de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la résurrection de ton Fils. Comble-nous de ta miséricorde, rends-nous forts et croyants. Fait que nous vivions cette béatitude, heureux ceux
qui ont cru sans avoir vu. Nous te le demandons par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de participer au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit-Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trop grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur Jésus nous l'a appris, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix les uns avec les autres et que cette paix aille partout où vous irez aujourd'hui. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Pain de la Pâque, pain sans levain, pain de la route pour notre faim, pain du partage, vrai pain rompu, corps du Seigneur Jésus. Pain de la Pâque.
Prions encore ensemble. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers pèlerins, vous pouvez poursuivre votre démarche de pèlerinage en participant cet après-midi ici à la grotte de Massabielle, au chapelet en français à 15h30. Après, à 16h15, au centre d'information, il y aura la catéchèse sur les messages de Lourdes avec un chapelet. Et à 17h, la procession eucharistique qui partira de la prairie. À 17h, ce soir, vous pouvez terminer votre journée de pèlerinage en participant à la procession mariale au flambeau qui partira à 21h de la grotte. Très bon pèlerinage à tous au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.